vois genre un pote à moi qui est comédien, qui voit rien, qui s'appelle Kevin, et je vois un mec qui fait « Ouais, j'ai été pris sur le dernier film de Fabrice Eboué, je pars à Cuba dans un mois. » Je fais « Tiens, mais c'est pas possible parce qu'ils m'ont pas appelé. » Et normalement, tu vois, comme on est Camerounais, on est censé être des frères, tu vois. Genre, normal, c'est vérité. Rappelez-moi. Les mecs m'ont pas rappelé. Ok. Et donc c'est un truc qui me vénère un petit peu, surtout que je comprends bien les mentalités, tu vois. Ça, c'est trop la mentalité des Camerounais, même la mentalité des Africains, tu vois. Genre, aucune solidarité. Même si on est frères, même si on est cousins, il n'y a pas, tu vois. Et surtout, genre, les Ronald Canal Plus. Là, franchement, c'est pas s'il y a quelqu'un qui filme. Personne. Si, si. Bref, en tout cas, filmez, mettez-le sur internet, parce que les comédiens de Canal Plus, les Ronald, c'est tous des bâtards. Même regardez, genre, Omar Sy, tu vois. Omar Sy, le mec, genre, il a fait les intouchables, il est devenu coté, qu'est-ce qu'il fait? Il part au State, Los Angeles, genre, il fait le mec et tout, je passe des castings au State, j'oublie d'où je viens, mais ça se fait pas. Nous, on est là, tu vois, continuer à faire les trucs pour nous, les Renois qui sont là. Enfin, bref. Les Africains, de toute façon, moi, j'ai dit, j'irai d'être Africain, c'est ça le truc de ouf que j'ai à vous apprendre aujourd'hui. Je suis plus Camerounais, je suis entier. C'est le chœur à vocation professionnelle au sein de la Factory. Il y a trois chœurs, il y a Stepping Jam aussi, dirigé par Kired, il y a Swing and Soul, dirigé par Marie Menini. Bien se comprendre, bien entouré. Ouais, c'est cool. Il y a une petite partie qui a participé avec une autre petite partie de We Are One au Zénith, au cœur de Youssoupha. Donc ça les a soudés aussi un peu, c'est bien. Ouais. Ce soir, ça les a bien soudés. Je pensais pas que ça allait être autant blindé, j'avoue. Mais bon. Tout le monde est venu avec, avec voilà, son... chacun a ramené ses proches et ça, c'est cool. Ouais. Surtout Gladys Zezineb, je crois. Yeah.
Le lancement de la Factory, de toute façon, de cette année, cette saison, 2012-2013, ouais. 1er octobre. D'accord. Donc, on a bossé depuis le 1er octobre, donc si tu comptes juste une fois par semaine et qu'on lève les vacances scolaires, mm-hmm. on fait 4 répètes, plus une, si je ne m'abuse. Et après, il et elle, ils ont répété, l'arrache-pied. Entre eux, entre elles, d'arrache-pied. bien joué pour le terme, super. Du show, c'est eux qui l'ont fait tout seul, tu vois. Donc, mmh. Ça, premièrement, c'était un défi. En plus, il y avait peu de temps. Ouais. Parce que je suis pas le champion de la communication. J'essaie de m'améliorer, mais voilà. Cette date-là est arrivée super vite, en fait, pour tout le monde, tu vois. Et du coup, par rapport à toutes les conditions, je trouve qu'ils ont fait un très bon boulot. On a senti l'application, le cœur, pas CH, le cœur, et comment dire, l'intention par rapport aux nuances, parce qu'on a beaucoup bossé les nuances, je les saoule avec ça sans arrêt. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, donc, je sais, ouais, t'as vu au zénith, t'as vu. Donc voilà, pour ça, moi je suis fier d'elle et d'eux. Les erreurs qu'ils et elles ont fait, c'est parfait. C'est il faut parfait. Faire ces erreurs. Ouais. C'est comme ça, la prochaine fois, bah, il y en aura moins. Toi, faut, si tu attends de faire les choses parfaitement pour te présenter sur scène, tu feras rien. Amen. C'est sûr. Il y a vraiment du gros talent quand même là-dedans, faut le dire. Mm-hmm. Moi, je suis content. T'en prie, écoute, on t'écoute. Mais faut que tout le monde me suive. Ouais. Oula là, non. Ah donc là faut que tu recules pour avoir tout. C'est pas bon là. Non, je sens le truc arriver. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Je sentais. Happy birthday to you. Voilà.
Non, merci. Kaboum. Merci, merci. La classe. Merci beaucoup, je suis touché. Je m'y attendais, c'était un peu téléphoné, mais merci quand même. Tout le monde allait chanter. Tout le monde avec les armes et tout. Moi, je savais pas. C'est vrai ? Non, c'est pas grave. Y'a pas de soucis, chantez pas. Et en allemand, tu dis attends. Zungebrustag, viel Glück. Zungebrustag, viel Glück. Zungebrustag, viel Glück. Voilà, c'est. Non, c'est pas Arceau. Mal, c'est pas mal. Merci, merci. Bien joué, bien joué, Alex. Bien joué. J'essaye d'entretenir cette lumière vacillante, cette bougie frissonnante, cet espoir, mes bons sens. C'est de vous aussi que je parle, c'est de vous aussi que je parle. Et après les mots, avant les prochains, surtout je me tais, sans arrêter jamais. Tu scalpes les gens ou quoi? Non. Le son, c'est tout. Ok, ok. D'accord. Et donc toi, t'es un musicien complet ou bien t'es spécialiste? Complètement, je suis musicien complet, compositeur, interprète. D'ailleurs, j'ai mon petit groupe, on est bientôt en concert là, le 8 décembre. Aux écuries de Joséphine, à 29 rue Saint-Lazare, dans le 9e. Donc là, on va jouer notre musique, c'est du jazz, de l'afro-jazz. D'accord. Très moderne. Okay. C'est que des compos, que de la création. On a aussi notre site, vous pouvez toujours aller écouter notre musique sur horusquartet.com. Ok, horusquartet.com. Vous êtes les bienvenus, vous pouvez aussi nous laisser un petit message. Et puis surtout venir au concert du 8 qui est gratuit. Le 8 décembre. Voilà, c'est pour la sortie officielle de notre album en numérique. Donc il faut profiter du concert qui est gratos pour venir. Très bien. Horus Quartet. Très bien, très bien. Donc Ariatide, c'était top comme d'hab. Hein, bah ouais. La jam, j'adore. Donc ce soir, j'ai joué de la basse et de la batterie, comme d'habitude. Hein. Comme d'hab. Quoi. Comme d'hab. Comme d'hab. Ok, tu t'es fait plaisir. Comme d'habitude. Voilà. Mais là, t'as pas des collègues qui viennent avec toi? Bah, il y avait le pianiste qui était là, il vient de partir, Baron. Ah ouais, on l'a vu. Il a joué, ouais. Malheureusement, il fallait qu'il parte. Ok, donc, bah, big up à lui. Hein. Yeah, positif. Ouais. Et à toute la bande. Hein. Et à Doréa aussi qui nous a invités, c'est vraiment sympa de sa part. Si, si. Et voilà, je vous encourage à venir le lundi soir au Cariatide. Voilà, alors au lieu de rester chez vous, venez voilà, prendre des bonnes vibes. Venez vous amuser, prendre du vrai et du lourd. Exactement. Exactement. Des fois, il faut venir et je me demande ce qui se serait passé. Peut-être qu'on serait beau, mais je m'arrête là parce qu'il le faut. Avec des si, j'ai joué les beaux et rien ne sert de noir sur le tableau. La différence n'a plus de sens, mais ça, tout le monde s'en balance. Moi, si je révise mes références sincères, je me dis que je vis et que j'ai de la chance. Si tu vois arriver comme ça, et puis ouais, je vois en mode crooner, et puis d'un coup, bon, je filme, hein, mais j'écoute quand même les paroles. Ah, tu prenais des photos d'abord, tu vois. Ouais, normalement, c'est ce que je fais, je prends des photos, mais là, je filme parce que mon acolyte il est pas là, donc c'est moi qui filme quand il est pas là, et donc j'écoute les paroles, et donc bon, c'est un peu mielleux, mais quand on écoute bien. Il y a un vrai message quoi. Donc, en fait, j'ai pas pu faire le dernier couplet parce que il y a la talentueuse Tania qui est venue. Ouais, on va la voir tout à l'heure, mais ouais. Voilà. Donc du coup en fait effectivement c'est de la poésie. Ma plume elle a un petit peu mûri avec les années. Ouais. Effectivement le dernier couplet c'était la moralité. En gros je parlais des histoires, les flirts, les conquêtes qu'on amasse. Et au final, ben, la chanson elle s'appelle Machine à aimer. Ouais. Je disais que. La fin de la chanson, c'est « Je t'aime passionnément », ce n'est pas la question, c'est juste qu'en flânant, mon usine tourne en rond. D'accord. Parce voilà. Que maintenant que tu me le dis, je comprends mieux, parce que je me disais, mais attends, en fait, c'est juste une histoire de gars qui se la raconte, qui nique des meufs à gogo, la liste des trucs s'allonge, tout ça, je dis « Ah bon, ah bon !»
D'accord, non, il y a une vraie morale, d'accord. C'était pas juste. Ok. Non, je suis pas juste un beau parleur. Ok. Un parleur, on s'est compris. Ouais, non, bien sûr, t'inquiète. T'inquiète. Ah, ça fait plaisir. Donc, toi, ton univers, ce serait quoi alors, si tu devais décrire? En fait, si tu veux, je suis très éclectique. La seule chose qui est vraiment marquante, on va dire, dans mon art à moi, c'est ma plume. La poésie urbaine, j'aime vraiment écrire, j'aime vraiment, même pas forcément lire, mais pour moi, les mots. Sentiment à la chaîne, une machine à aimer. Aussitôt que je saigne, je referme mes plaies. Je me dégote un autre poème à composer. Nouvelle paire de clés, car je change d'adresse. Souvent de garde-robe et parfois d'entourage. Mon cœur est comme un globe qui tourne et qui voyage. Faudrait que je songe un jour à me fixer. La liste des conquêtes commence à s'allonger. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. À l'industriel. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu chantes depuis longtemps? Bon, je chante depuis que je suis née. D'accord. Je suis née en chantant. Bah, tu as fait une vibe. Oui, oui. I was born singing. Yeah. Ok. Mais oui, je fais des petits projets, mais rien de choses sérieuses. Mm-hmm. Et j'aime de essayer, d'apprendre. Ouais. Tu as différents styles. Oui, 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 je chante flamenco. Mm-hmm. Aussi, parce que la madre patria, l'Espagne, oui, si. Tu sais. Oui. Et bon, j'aime de chanter R&B, reggae, soul, mm-hmm. J'aime ça. D'accord. Tu pourrais me faire un petit truc en espagnol? En espagnol? Si. Oui, bien sûr. S'il te plaît. Flamenco. Ok. D'accord. No te pío, no te devuelvo, si tú me lo diste. Y olvídame de ella, pagado con oro, tus carnes morenas, no maldigas paya que está muy en paz. ¡Olé! ¡Ay, ay, ay! Beaucoup de scènes au niveau tout ce qui est scène parisienne, tout ça, ouais, sur Paris. Parisienne, ouais, ça, j'ai fait pas mal de petits showcases à gauche, à droite. Ouais. Et voilà, maintenant 2013, l'objectif c'est vraiment essayer de sortir de Paris, faire les grandes villes et se faire connaître. Parce que de toute façon, maintenant c'est ça, c'est faut aller sur le terrain. Ah, c'est ça, il y a pas de secret. Hein, c'est pas sortir un album, c'est une étape, mais le défendre en live, c'en est une autre. Bien sûr. C'est en live que ça se passe aujourd'hui. Ouais. Toi, t'es plus à l'aise live que studio, limite. Le studio, tu le vois comme un aboutissement, quelque chose, un truc à atteindre. Est-ce que pour te faire connaître, est-ce que c'est obligatoire un album? Ben, un album obligatoire, non, parce que tu peux avoir tes musiciens, faire du live, et voilà, tourner, et ton nom forcément il va tourner. Si plus tu vas faire de live, plus tu seras connu. Ouais. L'album c'est plus maintenant une espèce de carte de visite et faire découvrir un peu ce que tu fais. Les gens tombent sur l'album, disent tiens c'est pas mal ça, tiens je veux voir ce que ça donne en live. Tout de suite ils se rabattent sur le live les gens, parce qu'ils aiment sortir, ils aiment découvrir. Et si t'es bon en live, ben, ouais, t'as tout gagné quoi. Ok. Et d'ailleurs, par rapport à ça, tu as prochainement une date?
Oui, j'ai une date très prochainement, ouais. Le 23 novembre au Divan du Monde. Donc vendredi, ce vendredi là. Ce vendredi, ouais. J'ai, en fait, c'est un tremplin, c'est Star Music, Music on Stage. Et en fait, on est les quatre gagnants du tremplin qui se rencontrent le 23 novembre. D'accord. Pour un plateau commun. Et il y a quoi à gagner au bout? Bah, disons que c'était le fait de c'est la finale, produire, quoi, voilà, se produire finale. Au Divan du Monde. Se produire au Divan du Monde, donc on ramène du monde, d'accord. C'est gratuit. N'hésitez pas. D'accord, c'est bien, il faut venir, il faut venir. Carrément. Il faut venir découvrir Tshiemoko. Yes. Le monde a pas un bon genre, se lève. Ça tombe bien, je suis boulant. Tu peux m'appeler le Bonadero. Je suis un lève-tôt, de par mon boulot, qui met au bout du rouleau. Le matin, c'est la tête sous l'eau. Le réveil sonne, et c'est comme ceux des Simpsons. À 3h du mat, c'est Tshiemoko qui réveille le coq. C'est le matin, mais on dirait la night. C'est la voix de Barry White. Se lever, c'est le taf. Allez au bain, on bosse jusqu'à pas d'air, en tablier débardeur. Il fait chaud là, soignons-nous dans un sauna. Je fais le pain, on pense que je suis riche. C'est comme dans TikTok, je tape le miche. Je bats, ouh, habile des mains. On s'aime par une levure, t'inquiète pas, j'assure la main de. Je suis live dans les YouTube là, qu'on va parler là. C'est pas les dix mais les gars, on se prend qu'à fâcher les jeunes audiences. Les jeunes audiences. Ok. Yes, la famille. Wesley, just as Wes. Wesley, je ne te vois pas. Okay. Yeah man, good youth for all the ghetto youth. Yes. Big up, c'est la même famille. Ok, Elvis. Yeah man, E-L-V-Y-S, je vous présente. Yalaï. Madinina. Ok. Boum. Oh. Ah bon, là, oui. Toujours. Et ben là, tu vois, direct là, c'est opium. Tu peux l'appeler kiwi aussi. Opium chaud. Mais là, c'est Pakouri. Check me. Yeah man, respect qui tient la rue qui n'y a sous la terre. Chaud. Ok. Just have it. Ok, ok. Présente-moi aussi. Et ben là, il y a Warrior. Yeah Avalanche. Man. The Avalanche. Bless up my brethren. You don't know, say one love. It's Avalanche in the area. All of this boy, they must be afraid here. You don't know, say one love. Oh. Ok. Kaboom! Check-li! L'homme guerrier Maasai! T'entends Olo. Pas ou quoi? Oui, il n'y a rien. Parle. Ok. Et puis, bien sûr. Hey, on a Wallace! On t'oublie pas, mon frère. L'interview! Ça va ou quoi, moi, gros? Ça va, ça c'est va. C'est toi qui fais tous les interviews de Karyatide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà interviewé là? Non, depuis. Jamais. Ah bah tu vois. Voilà. Alors, dis-nous toi ce que tu penses quand tu viens au Karyatide là. Qu'est-ce que tu vois? Donne-nous tes appréciations. Ben, ce que je vois, c'est qu'il y a une belle, il y a une belle énergie. On travaille sur plein de projets. Ouais. On a Elvis qui franchement. Moi je suis en préparation d'album. Voilà. Mm-hmm. Mon album ça s'appellera le Dancehall Soca. Il y aura de la Dancehall, de la Soca. À différents styles, mm-hmm. Et puis je prépare d'autres albums aussi qui viennent en rap. En rap, R&B, surtout reggae. Mm-hmm. Et voilà quoi, je vous ai à l'œil quoi. Ok. Et je veux pas trop en parler parce que. T'as raison. Je reste un peu dans le mystique. Mm-hmm. Si on peut le dire, ouais, en bafeille. Le projet initial, c'est l'avant-scène. Faire de grosses scènes. On pense que les Karyatide peuvent nous mener à ça. Mm-hmm. Donc une bonne évolution pour peut-être l'année 2013. Every day we pray. As if it was the last day, indeed we know the value of life. Ooh. Every
every day we praise, as if it was the last day. We know the value of life, Almighty God, I and I each day, as if it was the last day. We know the value of life, every day we praise.